Que le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma fille. On va ouvrir la box que l'on fait toutes les deux avec Meryl. Et je lui avais donné comme défi de me trouver des objets vintage. Et elle, comme défi, c'était que des répliques de films. Donc j'espère que j'ai respecté la box. Et du coup, on fait ça à peu près tous les 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es sûre que c'était ça, trouver des objets vintage? Dans cette boîte-là, oui. Donc le colis est assez gros. Et assez lourd. Ah, il y a une lettre. Attends. Non, moi je peux pas. Alors, du coup, nous avons une magnifique lettre. Est-ce que je peux la lire? Oh, chaque fois, c'est compliqué de pas. Bah alors là, j'ai déchiré la lettre. J'espère que je vais réussir à lire ce qui est marqué. Allez. Nous revoilà pour cette nouvelle année avec notre Wizarding Brace Box. Je suis ravie de collaborer de nouveau cette année ensemble. Voici donc la première box 2022 sur le thème vintage. J'espère que mes trouvailles te plairont. Bon unboxing. Alors là, elle a mis un tout petit mot. Prochain défi. On adore la famille Weasley. Ok. Ah. Donc il faut des trucs Weasley. C'est ça. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Ouais, la tête du chat quand il se gratte. Eh ben dis donc, ça devrait être... Ferme les yeux. C'est moi qui pire. Donc cette fois-ci, on a dit qu'on emballait en fait les produits pour pas qu'on soit... On devine, mais tout en restant dans l'univers recyclage écolo. Alors du coup... Alors ça, au bruit, je dirais que c'est un puzzle. Oh. Bien sûr. Et oh, trop cool. Ah. C'est le puzzle. Donc j'en ai déjà un de cette collection là. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais c'est trop cool. C'est un puzzle vintage. Du coup, de toute façon, c'est pas la peine de préciser. C'est celui de Ron Weasley. Donc moi j'ai celui de le 5 sur 6. Alors là en photo, je saurais pas dire si c'est crabe ou goyle parce que je sais pas. Mais du coup là, celui-ci c'est Ron Weasley. Ça, je dirais que c'est un jeu de cartes. Au bruit, je dirais que c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes, c'est vrai. Gagne. La prochaine fois. Oh. Alors, c'est un jeu de cartes. Oui, mais celui-là. Je crois que c'est un jeu. Comment dire? Carte à jouer avec tour de magie. Et instructions comprises. Ouais. Donc sur l'autre boîte, c'est crabe. Alors. Ça, c'est un poster. Ah bah oui. Ah. Oh, il est trop beau. Trop beau. Eh, maman, t'as le même en... Ah oui, j'ai le même en version réveil. Moi, j'aime bien. Alors par contre, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a un deuxième vif d'or. Et t'en vois un où? Un là et un non, là. Non, je pense que c'est genre un soif ou un cognard. Moi, je sais pas. Maintenant, il va falloir que je trouve où l'accrocher. Allez. Ça doit être un autre poster. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas où t'as trouvé ça. C'est un poster. Ouais, ouais, non, mais c'est pas n'importe quel poster. C'est un Imbus 2000. Non, non, c'est pas ça. C'est un poster publicitaire pour ces bonbons-là. Donc, il y a les chocos grenouilles et cette boîte de bonbons que j'ai toujours, qui date des années 2001. Deux. Et non, non, mais il n'y a plus rien dedans. Ah, oui. Ça me rassure. Et franchement, ça, je suis trop contente. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais chapeau. Chapeau pointu. Même... Oh non, là déjà. Mais au moins là, il y a les pièces complètes. Oh, trop dommage. Oh. Ouais, mais peut-être que celui-là, il y a les piles. Du coup, peut-être qu'on pourrait essayer. Alors du coup, là, effectivement, nous avons ce jeu-là qui
qui a été élu Grand Prix du jouet en 2001. Ah ouais, je savais pas par contre. Donc voilà, nous avons ce jeu que j'ai, avec lequel je me suis énervée avec mon cousin parce que c'est un truc qui rend fou où tu dois passer la balle à travers des trucs via de l'air propulsé par la machine ici. Ça franchement c'est un coup à s'énerver profondément. Ok. Donc ouais, je suis contente comme ça, ça me permet d'avoir la boîte. Et voilà, tu as respecté notre défi haut la main. Et j'espère que j'aurai respecté le mien aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tout pour cette vidéo. Hein. C'était trop court. Donc voilà, je suis très contente des produits que j'ai reçus en tout cas. J'espère que le prochain défi sera pas trop dur. Je sais même plus ce que j'ai mis. Ah oui, si, ça y est, je sais. Je vous mettrai ici. Et donc voilà. Donc encore merci Meryl, je suis contente de faire à nouveau cette box avec toi. J'espère que tout ce que je t'ai envoyé t'aura plu. J'essaie de respecter au maximum le défi que tu m'as lancé. Donc j'espère de mon côté avoir respecté ce défi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous embrasse et à la prochaine. Bisous.